Donc la quatrième édition de l'Open CIO Summit va avoir lieu là, le 11 octobre. Cette édition est un think tank qui est réservé aux DSI, c'est un think tank qui est en huis clos. C'est le grand rendez-vous des DSI de la rentrée pour parler de stratégie et de gouvernance open source. Pour cette quatrième édition, on a vraiment une très très belle édition. En keynote d'ouverture, on aura trois interventions de qualité. Michel Delatte qui va intervenir. La Poste s'est investi énormément sur cette édition. Donc il viendra faire une intervention et qui sera suivi de Bruno Ménard, vice-président du CIGREF, représentant de toutes les grandes entreprises, et de Jérôme Filippini, qui lui le représentant de tous les DSI des ministères. Ils viendront porter un message à l'ensemble de la communauté au niveau business sur l'open source. Sous le parrainage de Jean-Luc Raffaelli, qui est responsable gouvernance open source à La Poste, on va aborder différents thèmes cette année. Il y aura des thématiques concernant plus particulièrement des sujets de gouvernance. On viendra discuter, enfin en tout cas présenter les travaux de gouvernance menés par la DISIC cette année. On abordera en table ronde une discussion autour des différents marchés de support open source, qui est une thématique de la gouvernance. On parlera d'open source et entreprises numériques, qui est un sujet aussi important, avec un des vice-présidents du CIGREF, qui est Georges Épinette. Et puis, on abordera aussi des thématiques sur tout ce qui est agilité et open source, notamment tout ce qui est DevOps, et en quoi le DevOps, l'agilité sont aujourd'hui des leviers pour la DSI, mais également pour le business. Et il y aura une table ronde aussi qui est assez intéressante. Il y aura une restitution de trois entités, d'Alcatel, de Morpho, Groupe Safran et puis d'Orange, sur la gouvernance dans le métier d'édition et distribution logicielle. Voilà, donc si vous êtes un décideur de l'IT ou un DSI, venez vous inscrire sur le site de l'OpenCIOSummit.org.